Bonjour, aujourd'hui on va voir comment architecturer un code Haskell en utilisant le design pattern ReaderT. Dans les vidéos précédentes, on avait vu différentes architectures de code qui utilisaient des fonctionnalités plus ou moins avancées de Haskell. Le pattern ReaderT, le but ça va être de pouvoir faire évoluer le programme ou le maintenir tout en restant relativement simple. On va reprendre notre projet d'API JSON ici, donc c'est un serveur qui lit des données dans une base SQLite, génère des messages de log et contient aussi des tests automatisés, une application de test. On a découpé le projet en plusieurs parties, le domaine métier, les effets, les interpréteurs et les applications. Donc on va reprendre le projet ici, j'ai commencé à mettre les fichiers. Et l'idée de cette architecture, ça va être d'utiliser ReaderT, le transformateur de monade ReaderT. Ses paramètres, c'est un environnement, une monade et un type de résultat A ici. Et donc ce pattern, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de définir des applications où on a des données dans l'environnement qu'on peut récupérer à tout moment. Pour notre architecture ReaderT, on va définir notre propre type d'environnement qui va décrire notre application et on va se baser sur IO. Alors il y a plusieurs façons de faire, mais pour rester simple, généralement, on préfère spécifier IO directement ici. Et donc ça me donne un type de monade ici dans lequel je vais pouvoir décrire mes applications. Et il faut juste que je décrive c'est quoi mon type d'environnement. Pour notre application à nous, on va dire que on a besoin d'une fonction de log. Donc son type ce sera string var io unit. Et on aura besoin également d'accéder à la base de données. Donc pour ça, je vais mettre le fichier ici. Et c'est un fichier. Ok. Donc voilà pour l'architecture de base. Et maintenant, on va pouvoir définir nos effets, nos interpréteurs à partir de ça. Avec la MTL, pour définir des effets, on avait utilisé une classe de type qui permettait de décrire une monade avec la fonctionnalité pour loguer un message. Avec ReaderT, on va faire quelque chose d'un peu similaire, mais on va pas travailler sur la monade, mais sur l'environnement. Donc on va appeler ça plutôt AsLogger, et ça veut dire qu'un environnement est de classe AsLogger si on peut lui récupérer une fonction de log. Je vais appeler ça Logger. La signature, ce sera donc à partir d'un environnement, celui de ma classe de type, et bien je vais récupérer une fonction string var io, et voilà. Quand on va travailler dans notre application, dans notre monade d'application, on aimerait bien juste faire appeler une fonction de log. Ou plutôt avoir une fonction log MSG comme ça, qui prend un string et qui fait une action dans la monade de l'application. Pour faire ça à partir de notre classe de type, et ben, on va dire que on a besoin de certaines contraintes de type. En fait, on va faire le lien entre notre AsLogger ici et la monade dans laquelle on travaille. Donc pour ça, il faut que on soit dans un monade reader basé sur un environnement et qui fournit une monade M. Et cet environnement, il est de classe AsLogger. Comme on a écrit notre fonction, on a un paramètre avec le texte à loguer. Comme on est dans un monade reader, on va pouvoir récupérer l'environnement avec la fonction ask de monadreader. Et du coup, je peux faire un logger de hand. Je récupère ma fonction que je peux appeler sur str et ça va me loguer mon message. Alors là, il me dit que moi je suis dans la monade de mon application M et c'est pas io, mais comme je suis basé sur io, je vais pouvoir lifter et récupérer cette fonction-là et pouvoir l'appliquer. Il me dit que il faut du coup que M soit aussi de classe monade io. Donc je vais le rajouter ici. Et a priori, ça a l'air de fonctionner. Donc ça définit notre effet. Il va falloir lui fournir un interpréteur pour notre type env. Pour ça, on va faire une instance de AsLogger pour notre type env ici. Et on va lui définir les informations dont il a besoin, c'est-à-dire le logger ici. C'est-à-dire, comment récupérer de notre environnement un logger? Ben, en fait, c'est la fonction d'accès ici, underscore logger. J'ai juste à faire récupérer la fonction de log ici. Une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que
Dans notre monade d'application AppM, on peut faire des actions de log. Par exemple, je peux décrire une application App1 qui va faire des logs MSG de différents messages. Comment on va lancer ce type d'application? Alors, je fais une fonction run. Ce que j'aimerais, c'est, si j'ai un AppM, pouvoir l'exécuter et retourner un io underscore du coup. Pour ça, on a juste à appeler runReaderT sur notre application et avec l'environnement qui va bien. Alors par exemple, si je veux pour ma fonction de log juste afficher à l'écran, je peux mettre putstrln. Et pour le fichier de log, le fichier de base de données, pour l'instant j'utilise pas, donc je vais mettre une chaîne vide ici. Alors si je fais ça, est-ce que je peux le tester? On importe le fichier. Et maintenant je peux faire un run de mon app1. Et a priori ça a l'air de fonctionner. On va implémenter les effets de base de données maintenant. Avec la MTL, on avait fait cette classe-là. On va faire la même chose, mais cette fois sur l'environnement. Je vais avoir une classe asDB sur un environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir d'un environnement, je peux récupérer dans io une action qui me retourne une liste de personnes. Pareil pour récupérer la personne identifiant donnée à partir de mon environnement et d'un entier, je vais récupérer une liste de personnes dans io. On va écrire des fonctions getPerson qui fonctionneront dans la monade comme on a fait avec le log. Donc ici, je vais mettre un nom différent, c'est pas tout à fait le getPerson, je vais mettre person from ID. Et des fonctions qui travaillent dans la monade de l'application, on va les mettre ici. Donc on aura dans la monade de l'application retourné une liste de personnes. Pour faire ça, il faudra qu'on soit de classe asDBEnv et donc que env soit le paramètre d'un monade reader. Je vais le rajouter ici, comme tout à l'heure, monad reader env m avec un asdb sur env. Et comme tout à l'heure, on peut récupérer l'environnement avec un ask. Et on peut l'appliquer, donc ici ce sera person sur env. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, j'ai oublié la flèche. Ok. Donc pareil, ça renvoie à des IO. Enfin, la fonction est définie sur des entrées-sorties, donc on va faire un lift ici. Et du coup, il faut qu'on soit de classe monade IO ici. On fait la même chose pour getPersonFromID. On a un paramètre de plus, l'identifiant de la personne, qu'on va rajouter ici. Et ici, c'est le champ personFromID, enfin la fonction personFromID définie dans la classe de type, qu'on va appliquer sur i, et a priori, c'est bon. Donc là, on a déclaré notre effet et les fonctions associées pour travailler dans la monade d'application. Il nous faut écrire l'interpréteur. Je vais le faire pour notre environnement ici. SDB pour notre type env. Et donc il va falloir définir persons à partir d'un environnement. Qu'est-ce qu'on fait? Et pareil pour person from ID à partir d'un environnement et de l'identifiant i qu'on cherche. Je vais reprendre le code qu'on avait fait pour l'architecture MTL. Donc on avait fait quelque chose comme ça. Hop. Et pour la deuxième requête, on avait fait ça. Hop là. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous dit SQL file
On ne sait pas ce que c'est maintenant, c'est le SQL file, c'est le champ ici de notre environnement. Donc on a l'environnement parallèle, donc ici ce sera pas SQL file, ce sera underscore SQL file 2 en fait. Pareil ici. Également le lift IO ici. Comme on a défini notre effet directement dans IO, on n'est pas obligé de le faire. Je peux le supprimer ici. Et le log message, donc ça fonctionne dans la monade d'application. Ici, on est juste dans l'instance, en train d'instancier l'environnement, donc on n'a pas accès à ça. Par contre, on a accès à l'environnement, donc on peut appeler son logger et appeler la fonction sur la chaîne de caractères qu'on veut loguer. Et pareil ici. Ok, donc là, ça a l'air de fonctionner. Du coup, maintenant, on va pouvoir créer des applications dans AppM qui vont utiliser des fonctions de log ou des fonctions de base de données. Alors je vais reprendre l'application de test de l'AMTL. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a changé? Ça va être essentiellement les signatures. Ici, ouais, alors là, je vais le faire. On va directement travailler dans AppM. Mais on peut être plus général que ça, mais je montrerai un exemple plus tard. Et ensuite pour lancer notre fonction, donc ici pareil, on est dans un AppM qui retourne un A, et si on exécute, on aura un A dans IO. Pour lancer notre fonction, on est basé sur un runReader, sur un ReaderT, donc on a juste à faire un runReaderT de notre application et sur un environnement que je vais définir juste en dessous. Alors, env, c'est une valeur de notre type avec, on va préciser sa fonction de log, on va préciser son fichier SQL. Alors ici, c'est persons.db. Et donc la fonction de log, on va faire alors c'est une fonction qui prend str et qui affiche avec un put strlen qui affiche quoi? On va mettre un préfixe. Qu'est-ce qu'on va mettre? ReaderT. Suivi du message str. Ok, alors on va tester si ça fonctionne. Donc on importe ReaderT application test. Okay, et donc maintenant j'aurais pouvoir faire un run app de mon test app. Et a priori ça fonctionne. Alors on a la première requête avec un message de log plus un message de log dans la requête. Une deuxième requête avec des messages de log. On retourne les résultats. Donc on a bien le premier log, le deuxième log pour la deuxième requête. Et le résultat ici. Donc ça a l'air de fonctionner. On peut peut-être voir tout de suite pour le serveur d'API. Donc il faut récupérer les fonctions pour déclarer et fournir les routes. Donc ça, je vais le reprendre. Alors le type des routes, ça change pas, c'est toujours la même chose. Pour fournir le résultat ici. Alors là, cette fois, on va pas pouvoir mettre directement notre AppM ici parce que le système de la bibliothèque pour décrire des serveurs web, elle est basée sur des transformateurs. On peut pas faire ça directement. Mais c'est pas grave, on peut définir une monade avec les contraintes de type de notre application. Ce qu'on aurait pu faire aussi pour notre test app. Donc en gros ici, nous ce qu'on veut, c'est que M soit basé sur un monad reader d'un environnement et que cet environnement, il ait des caractéristiques dont on a besoin pour faire l'implémentation en dessous, c'est-à-dire des logs, des accès à la base de données, c'est-à-dire les effets qu'on a déclarés. Donc asLogger pour env et asDB pour env également. Alors ça ne suffit pas parce que logMSG également les accès à la base de données, on a dit que c'était défini à partir d'IO, et donc ici il faut aussi que notre monade M soit de classe monade IO. Peut-être le mettre comme ça pour qu'on voit plus clair. Voilà. Donc là, on a une application qui est plus générale que AppM en fait. Et ça, on aurait pu le faire aussi hein, pour notre application de test. Ok, donc on a décrit notre API. Comment on écrit le serveur?
Alors on effet quelque chose comme ça. Et on va le faire hop là, ici aussi. Alors, qu'est-ce qui change? La fonction, le type, la fonction pour lancer notre application, il va falloir mettre à jour son type. Donc on n'a plus une pile de monades, mais juste notre application à nous. Alors, ouais, je vais peut-être l'écrire comme ça, on verra après si ça va ou pas. Et pour le lancer, eh ben, il faut un runRider T, comme d'habitude, hop, avec notre application et un environnement. Notre environnement, c'est notre type environnement. Pareil, il a un logger. Alors, je vais peut-être reprendre ce qu'on avait fait pour le test. Ok, donc le logger ici, on va mettre le préfixe qu'on a en paramètres. Ok, et le fichier SQL c'est toujours le même. Quel est le problème avec ça? C'est que notre app-m ici, il est défini sur IO, et la bibliothèque pour faire des serveurs web, elle n'utilise pas IO, mais IO avec un handler par-dessus en fait. Donc c'est un peu plus compliqué que IO. Bah, c'est pas grave, on peut redéfinir notre type app-m ici. Alors je vais le masquer son importation. Je ne vais pas utiliser directement celui qu'on a mis tout à fait, mais plutôt un app-m qui sera un reader T, mais non plus basé sur IO, mais sur le type, ici handler, qui lui aussi est basé sur IO, de les bibliothèques servant pour faire les serveurs web. Donc ici, on va utiliser un type un peu différent, toujours notre environnement, mais cette fois handler. Hop. Alors oui, ici, on peut utiliser le fichier passé en paramètres, et a priori, ça a l'air de lui plaire. On peut tester. Alors ça compile, ça va lancer le serveur sur le port 3000. Localhost sur le port 3000. On a le message d'accueil qui apparaît. Si je demande la route personnes, on a bien les personnes. Et si je demande la personne identifiant 1, on a bien la personne identifiant 1. Et au niveau du serveur, après on a les requêtes. La première requête, la deuxième, la troisième. Donc ça a l'air de fonctionner correctement. Qu'est-ce qu'on peut faire également? Tester automatiquement notre application. Alors là, c'est pas tellement la logique de cette architecture-là. Le mieux, c'est de découper les tests, faire vraiment des petits tests, ce qui est le cas aussi pour les autres architectures. Mais on peut quand même tester notre application complète, comme on avait fait dans les vidéos précédentes. Seulement là, on est basé sur IO, on pourra pas utiliser le writer par exemple pour récupérer les messages de log en mémoire. Donc si je veux faire un test, je vais devoir définir une variable partagée, lancer mon application qui va mettre les messages dans cette variable partagée, et puis après récupérer le résultat de mon run et récupérer dans la variable partagée les messages de log que je pourrais vérifier. Donc on l'a déjà fait une fois, en gros ça revient à faire ça en fait. On va faire une exécution de notre application. Je vais le mettre ici. La fonction pour lancer, ce sera un runRider T avec l'environnement qu'on va changer ici. Alors le fichier SQL, il est défini juste au-dessus, donc on va l'indiquer ici. Et la fonction de log, au lieu d'afficher à l'écran ici, on va pouvoir de façon atomique modifier notre variable. Donc on va passer une variable ici, partagée. Et cette variable, on va pouvoir la modifier avec une fonction qui prend ce qu'on avait déjà, les messages de log qu'on avait déjà, et auquel on va rajouter le message qu'on est en train de loguer actuellement, str.
Ok. Et donc le type de ça va être une application. Alors est-ce qu'on peut mettre un M, je pense. Oui. Un tvar, variable partagée modifiable, qui va contenir une liste de messages de log. Et tout ça, ça va nous retourner dans un io, une valeur A. Et les messages, ils auront été mis dans l'intérieur de la variable. Ok, bah on peut tester si ça marche. Alors donc ça a compilé les tests, ça a exécuté les tests. Il me dit qu'il y a une erreur, les messages sont pas tout à fait ce qu'on attendait. Alors effectivement l'implémentation n'est pas correcte. J'ai repris ceux de la MTL. Mais nous ce qu'on voudrait c'est dans l'interpréteur, donc avant on était dans une fonction DBSQL, nous on voudrait juste dire qu'on est dans l'implémentation de l'environnement en fait. Donc on va modifier le message ici. Ça je supprime. Et on va dire, ouais non on va pas faire ça, on va dire qu'on est dans le fichier env. Pareil pour ici, et le reste ça devrait être correct. On va tester. Ok, donc cette fois les messages sont bien ceux qu'on attendait. Ok, donc voilà pour l'architecture Reader T. Alors en fait, c'est pas, il y a différentes variantes de cette architecture Reader T. On peut définir des monades directement des contraintes de type, des effets sur la monade plutôt que sur les environnements comme on a fait ici. Il y a même une autre architecture qui est basée sur un Reader T et qui utilise aussi les effets décrits un peu comme on avait fait avec la MTL, qui s'appelle comme ça l'architecture 3 couches de Haskell. Et voilà, donc il y a différentes variantes, mais le tout c'est d'être basé sur un Reader T. Au final on a un code qui est relativement simple, il y a juste Reader T à utiliser, on définit notre environnement, les effets là-dessus, et puis le code reste quand même relativement simple et à peu près pratique à maintenir, à faire évoluer quand même. Et donc voilà pour cette série d'articles sur les architectures de code en Haskell. Donc en gros, il y a pas vraiment une architecture qui fait consensus, que tout le monde utiliserait, mais plutôt un ensemble d'architectures qui utilisent des fonctionnalités plus ou moins avancées du langage. Et après, ça va dépendre un peu du projet ou des préférences des développeurs pour choisir l'une ou l'autre de ces architectures. Et voilà.